Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, c'est une ouverture de participation. Donc comme toujours, je ne l'ai pas ouverte. Là par contre, j'ai pas pu savoir qui me l'avait envoyée. Donc je vais le savoir en ouvrant. La personne sera le numéro 2. Je suis trop contente quand je reçois vos participations. Toujours impatiente d'ouvrir et de découvrir toutes ces merveilles. Alors j'ouvre. Ouh là là. Ouh là là. Alors, j'ai tout sorti, je mets sur le côté. Je cherche la petite carte. Je suppose que c'est celle-ci. Alors, voilà. Voici la carte. Elle est magnifique. Non, c'est... Si, ça doit être la carte. Donc, c'est Carole. Non, c'est pas le petit mot. C'est ses coordonnées, sa date de naissance et ce qu'elle aime. Mais en tout cas, c'est très joli. Je vérifie. Non, ça s'ouvre pas. Voilà. Oh, Oli qui joue. Là, c'est la petite carte. Elle est magnifique aussi. J'adore le système. Et on peut la poser, je suppose, le long d'un mur. Mais c'est moi qui dis des bêtises, mais c'est magnifique. Regardez. Et le système de pliage, j'adore. Donc, je vais pas vous montrer, si je vais vous montrer comme ça. Et elle a mis un papier qu'elle a gaufré, qu'elle a embossé exactement. Et ben, c'est super de scraper juste pour le plaisir d'offrir. C'est le but en fait. Moi, je sais que je fonctionne beaucoup, beaucoup comme toi. Alors là, j'ai un petit quelque chose qui s'est décroché, je retrouverai d'où il vient. Il y a énormément de choses. Ah ben non, il y en a plusieurs, ça a pas dû... Je sais pas si ça s'est décroché, je pense pas. Là. Comme ça. Ah mais c'est... Ouais, c'est un système un peu comme la carte sans fin en fait. Vous voyez, c'est super original. Là, t'as collé en 3D. Voilà. Et alors là, le tissu, j'adore. Bon, les ongles, vous regardez pas, c'est en travaux. Et c'est un vernis qui est foutu. Donc, Lola a eu des petits soucis avec hier soir. Mais c'est magnifique ce que tu as fait. J'adore. La découpe, elle est très belle. De cœur. C'est super chouette. Très, très original. Wow. Là, j'adore le système pareil. Ces dies-là, ils viennent de chez Action, je crois, je les ai. Donc là, ça fait un petit volet. Un autre petit volet. Avec donc les mêmes fleurs qu'ici. Et là, je suppose que c'en est que tu m'as mis pour moi pouvoir voilà, avoir en. Et là, tout un jeu de découpe collée en 3D également. C'est vraiment super chouette. Et le petit rappel. Donc, système carré du devant derrière. C'est génial, j'adore. C'est vrai que c'est joli. Le sentiment va très très bien dessus. Donc là, c'est une pochette. Qui ferme avec un velcro. Le papier est magnifique. Et dedans, tu m'as glissé du thé citron. Camomille, réglisse, lavande. Oh là là, ça doit pas être mauvais ça. Je te remercie du fond du cœur pour tout ça. C'est adorable. Marchand de sable, j'adore.
Je connaissais pas cette marque-là. C'est original. Je vais le remettre dans le même sens que l'autre. Et là, donc, nous avons une petite pochette. Et le thé pour la digestion. Eh ben génial, petit déjeuner, digestion et coucher, royal. Alors là, je vais me faire une journée détox totale. Impeccable, je te remercie. Mais ouais, les idées sont super. Là, on dirait presque de la dentelle. Bon, c'est du papier, hein. Mais c'est vraiment super chouette. Je vous montre de plus près. C'est top de chez top. Puis le système, ouais, c'est original. Si ça ne te dérange pas, je referai peut-être le tuto de cette pochette. Peut-être en modifiant les formats, je ne sais pas encore, je verrai. Mais que si ça ne te dérange pas, tu me diras dans les commentaires. Là, la petite flèche, elle est trop belle. Là, tout est trop beau de toute façon. Comme je le dis, tant que c'est fait avec le cœur. Là, le papier avec le petit papillon. Et là, tu as recollé une petite découpe de papillon. C'est vraiment génial. Et donc, tu m'as joint. Oh, elle est super jolie, multicolore. Je vais décaler le temps de montrer. Des ornements fleurs que tu as fait. J'adore ça. C'est très, très printanier. J'adore. Elles sont magnifiques. Et en fait, ouais, c'est un. Tu les fixes avec une attache parisienne. Donc l'idée est juste géniale. Et ben, je te remercie, Carole, pour tout ça. Tes créations sont magnifiques. Merci du fond du cœur. Je vais tout de suite noter maintenant que j'ai ton prénom. Donc, et sur l'enveloppe et dans le carnet. Je noterai le numéro du département après. Moi, je crois qu'il est noté par là. Yep. Yes. Voilà. Et je te note dans le carnet. Comme ça, c'est fait. Je serai sûre de ne pas faire de doublons, les copines et les copains. Voilà. Eh bien, merci infiniment du fond du cœur. Coup de chance, l'enveloppe, c'est pas perdu à la poste. Pour ça que, comme je vous dis des fois, n'oubliez pas de noter là, ici, votre nom et vos coordonnées. Comme ça, au moins, l'avantage, c'est que si jamais le facteur a décidé de ne pas le déposer dans la boîte aux lettres, ça vous revient, au moins, c'est pas perdu. Mais je suis très émue, je suis très touchée de recevoir toutes tes créations. Elles sont vraiment sublimes. Eh bien, merci beaucoup pour tout ça. Et je vous retrouve très vite pour une vidéo où je vous ferai le compte rendu de la rentrée des classes de Lola. Je vais pas en parler dans cette vidéo parce que voilà, je la consacre à Carole, mais vous savez un petit peu ce qui vous attend pour la prochaine vidéo. Et bien sur ce, portez-vous bien, faites bien attention à vous, scrapez, faites-vous plaisir et à bientôt. Ciao ciao, je vous aime, bisous.